Since the 90s, Philippe Parreno has been creating choreographed exhibitions. He's been inventing scripts which help the show to unfold in time. For the first time, these creations have been reunited in the same space, here at the Park Avenue Armory's Drill Hall. Parreno's work is based on a dialogue between interior and exterior space. This is what is being choreographed here with different installations every day. The cycles are being born, each unlike the other, so the visitor will experience new situations every day. Here, Parreno is not the kind of artist who hangs his creations on a wall. This is not a retrospective, where people can admire work side by side, but a show of a new kind, treating space and time in a wholly different manner. An American anthropologist, Margaret Mead, has written a very beautiful text on art and reality, where she in particular explains why visitors spend such a short time in front of a work of art. This aspect has always interested Parreno. How to change this? How to free time? At the Drill Hall, Parreno has set up 26 of his major works, the marquees. 8 among them are being presented to the public for the first time. This installation he's called Danny the Street, really resembles a street. The choreography never ends. The interior space works to the rhythm of street noises outside. The Drill Hall itself becomes a street. The marquees are changing all the time. They are real creations of light and sound, the instruments, 26 instruments, on which Parreno is playing. Littéralement, c'est un bloc de Manhattan qui est saisi. C'est pour ça que je n'ai pas construit de mur. C'est vraiment un bloc entre Park Avenue et Lexington, entre la 66 et la 67. Et un bloc donc, de New York qui va à un moment donné réfléchir disons, la ville quoi, de manière un peu plus prismatique, disons que juste une réflexion d'un miroir. Donc c'est un bloc de Manhattan et un bloc dans lequel on va essayer de déroulé du temps. Cette idée de la rue Danny the Street, cette rue de Marquise, forme une espèce d'architecture quoi, urbaine. Et parce qu'en fait, au moment où j'ai fait ça, il y avait une série de comics que je lisais de Grant Morrison qui s'appelle Doom Patrol. Dans Doom Patrol, il y a une série de personnages, de super-héros, disons. Et un de ces super-héros s'appelle Danny the Street. C'est une rue en fait omnisciente qui passe de ville en ville et qui, quand elle arrive, transforme la rue qu'elle occupe en changeant les magasins, les façades des magasins, en changeant tout ce qui fait à mon identité d'une ville, d'une rue. Toute l'idée du principe de la topologie, c'est de pouvoir replier l'espace sur lui-même pour pouvoir produire un temps, disons, infini, où on y aspire, en tout cas.
Et là, c'est un peu ça, c'est le volume est donné. Alors, j'ai pas construit de mur, mais j'essaye de se faire retourner le temps, l'espace sur lui-même. Donc, l'utiliser aussi comme c'est une disposition de jour, on a la chance aussi de pouvoir aussi faire arriver le jour et la nuit. Le confort de la salle obscure et de la fiction et de l'air conditionné. All is working as in a movie theater. As in a film, there are real credits, but much longer than you would expect at an exhibition. An exhibition which I have organized with Alex Poots and Tom Eccles has an actual script, a drama. There are several films to see at different moments. There are the 26 musical instruments, the marquees, and there is the piano, played by Michael Rudi, with whom Perino has collaborated for this project. We really are in a live moment. Moi, je vais apparaître à l'exposition à différents moments, donc ce sera toujours une surprise. Parce que chaque fois, il y a une boucle, il y a plusieurs boucles dans la journée. Mais donc, à l'intérieur de cette boucle, il y a les endroits où j'interviens. Mais ça, c'est un petit peu à moi de choisir dans quelle boucle, dans quelle partie de boucle je veux entrer. Je fais partie de l'exposition qui est aussi un organisme vivant. Donc, c'est le jeu de miroir. Quand je ne suis pas là, je suis quand même présente parce que tout le répertoire que je joue, il est enregistré déjà à un disque clavier et ça existe déjà. Par exemple, une pièce de Cage pour plusieurs pianos. Il y a toutes les quatre parties qui sont enregistrées. Et chaque fois quand je joue live, donc il y a des parties qui sont éteintes. Et je fais quelque chose d'autre. Donc le lendemain, c'est déjà plus la même pièce. Donc la musique vit aussi dans le temps. Des chorégraphies, lumière et l'action des différents mécanismes qui sont faits d'avance, mais aussi il y a des choses qui sont faites au hasard. Parce que les marquises, ils réagissent à certains sons des pianos. Donc, par exemple, on a regardé dans un endroit, il y a des marquises, et quand je jouais, que j'ai préenregistré sur deux pianos, on a vu que les marquises commençaient à réagir comme des fous, vraiment. Donc, c'est aussi une sorte de travail avec des robots, on est déjà dans le futur. Complètement, il nous dicte un petit peu notre propre comportement. Je suis comme une sculpture vivante, en fait. C'est aussi mon performance. Donc, dans le cadre d'exposition, c'est supposé être une œuvre d'art. Michael Rudi will be here and play throughout the duration of the show. So the visitors are going to experience a moment of a live performance.
a living moment, a piano recital indirect. There are other collaborations, such as, for example, the work on the manga heroine Anne Lee at the origins of Prénos project with Pierre Huyghe and other artists who have given life to this character. This reanimation will also be featured at the Armory. Everything I'm saying is true. Some names have been changed to preserve the guilty. I am a product freed from the marketplace I was supposed to fill. Dropped dead in a comic book. But I will never forget. I had just a name and an ID. My name is Ang Lee. The artist Douglas Gordon said that Perino possesses a real promiscuity of collaboration. The musical direction, for example, is signed by two great experts, Michael Rudi and Nicolas Becker. Nicolas collaborates in all of Perino's exhibitions, and his contribution goes largely beyond the sound work. On a des idées très simples au départ, c'est-à-dire que le son de la ville créer une musique. C'est vraiment une idée très très simple. Et Philippe avait une autre idée qu'on essaie de travailler en parallèle, c'était un orchestre produit une voix. Donc après, effectivement, il y a des outils très complexes à mettre en œuvre pour faire ça, mais l'idée au départ, elle est vraiment très belle et très simple. Qu'est-ce que ces sons de ville peuvent activer? Ils peuvent activer les marquises, donc en fonction de la hauteur des sons qui sont analysés dans les sons de ville, certaines marquises ont joué ou pas d'autres. Ensuite, donc on a fabriqué cette sorte de sonothèque en essayant de la construire autour d'une identité visuelle aussi de chaque marquise. Il y a des micros qui sont répartis autour du bâtiment avec des points de focus différents. C'est-à-dire qu'on a des micros qui sont très larges, qui sont comme une sorte de devraient presque ressembler au bruit de la mer. Et on a des micros qui sont très précisément placés sur les voitures, les passages de voitures. Donc on a une image aussi comme ça, beaucoup plus précise. Ensuite, il y a les pianos qui sont activés. Donc cette analyse harmonique, elle va être capable d'être envoyée dans des pianos qui sont des pianos automatisés. Et après, on va pouvoir filtrer ces informations, c'est-à-dire changer la sensibilité, en fait, donc avoir moins de notes, avoir plus de notes, demander à ce que les notes s'organisent de telle manière au niveau harmonique ou telle autre manière au niveau harmonique. Donc ça va, en fonction des scènes ou des tableaux, on va essayer de passer de modes harmoniques à d'autres modes harmoniques, tout comme on passe au niveau de la lumière dans des modes, des moods, hein, en fait, différents. Si pour Philippe, ce qu'il appelle street sound, c'est-à-dire la musique de la ville, est si important, c'est parce qu'il procède de retrouver cette sorte d'organicité. Et après, voilà, on essaie d'avoir un rendu intéressant par rapport aussi aux autres éléments. The space is bathing in daylight, but at certain moments there are alternations between half-light, light, and total darkness. There is this beautiful quote of Marcel Duchamp: "We can watch seeing. I watch how you see. However, I can't hear how you hear, or what you hear." This idea is at the center of the exhibition. For the film Crowd, some 100 actors were filmed here at the Drill Hall. They were all hypnotized, hence the name of the show, Hypnosis. But this raises the question, who hypnotizes whom? In this film, the viewers seem to be watching themselves see.
Il y a deux choses, c'est-à-dire que la relation effectivement au cinéma, hein, c'est le cinéma dans sa métaphore, la grande métaphore du 19e, disons. Mais aussi dans sa relation profonde qu'il avait au temps, parce que c'était le cinéma qui nous a pendant très très longtemps montré, disons, le rapport qu'on avait au temps et à la vie. Mais c'est aussi l'automation, aujourd'hui, disons, avec les algorithmes. À mon avis, ça remplace aujourd'hui le cinéma, disons, comme métaphore principale de compréhension du temps. Et là, il y a un peu les deux encore. Il y a le cinéma, disons, dans ce sens-là. L'enchaînement d'une image avec une autre. Et puis ces automates qui aussi enchaînent un son avec un autre ou un bloc-temps avec un autre. C'était une chose très forte avec d'autres, avec Pierre-Joseph, avec Dominique Gonzalez-Foster, avec Bernard Joissel, avec d'autres gens de Grenoble avec qui j'étais au Beaux-Arts, où on avait très vite comme ça décidé qu'il n'y avait pas d'art sans son exposition, et que du coup on s'intéressait plus aux principes, aux mécaniques, disons, d'exposition, plutôt qu'à ceux de l'art. À un moment donné, il y a eu un accord secret qui serait passé entre le cinéma et l'exposition, où le cinéma a dit « je prends, moi, toute la partie fiction et je te laisse le soin de montrer les objets ». Et le cinéma a pris, en fait, à l'exposition toute la partie, disons, fictionnelle, dramatique, en laissant l'exposition le soin de mettre en scène des objets. The vestibule is lit by two brass sconces. The walls are covered by Jamestown blue wallpaper. One door leads to the hallway, one door to a closet. In the closet, there is a luggage rack. The walls are covered with wallpaper. Disons, il y a quelque chose à inventer entre le projet collectiviste du cinéma et celui bourgeois de l'exposition. Bourgeois dans le sens où on choisit sa propre temporalité, où on est individuel. As it often happens, the artist gives back life to the dead. This is, for example, the case with the reconstitution of a 1950s hotel room at the Waldorf Astoria, where Marilyn Monroe stayed and where she wrote most of the letters which have been published. In his film, Perino manages to make Marilyn live again. A camera is her eyes, a computer program is regenerating her voice, and a robot is reproducing her writing. In a way, she lives again on these three levels.
Là, on voit bien que les murs sont tombés et que l'espace est dévoué à l'expérience de l'image-mouvement, l'espace qui est dédié à celui d'entendre des sons, l'espace qui est dédié à celui de, je sais pas, de regarder de l'art. Tous ces murs tombent et puis du coup, on peut envisager un autre principe, disons, une autre forme de rituel, pour parler comme un Gareth Mead. Et c'est aussi une responsabilité pour moi, quasiment politique, de voir comment est-ce qu'on peut produire un espace public. Parrino has created a space that develops in time. This space will take its shape here in New York at the Drill Hall in the course of 2 months. It's an expansion of space in time, or in the artist's own words, a space that will unfold into time. This is why several things are unfolding simultaneously. These are parallel realities.